Comme chaque vendredi, Marie Père Arnaud nous donne des idées pour occuper nos enfants ce week-end, plutôt que de les laisser en plan devant leur tablette. Ce qui n'est pas notre genre quand même, d'ailleurs. Et alors mardi, vous nous donniez des bonnes idées de loisirs créatifs géants. Et aujourd'hui, pouf! Oui, j'ai réduit un petit peu parce qu'on m'a dit, Marie, tu es bien gentille, tu es bien brave, c'est sympathique. Mais on ne vit pas tous dans un château comme toi. C'est cela, tout à fait. Et surtout quand on prend le train, le poster de 8 mètres, c'est pas hyper pratique. C'est pas pratique. Non. Donc je me suis penchée sur la question cruciale de savoir s'il existait des loisirs créatifs petits. Et oui! Il en existe. Donc, vous avez trouvé des mini-posters en stickers. Non. Bah non, Benjamin, rien compris. Rien compris. Qu'est-ce que vous dites, Benjamin ? Il existe des kits, des kits qui s'appellent graines créatives, entre autres. Ce sont des kits qui comprennent tout pour faire un loisir créatif avec son enfant, normalement en autonomie. Force est de constater, après expérience, qu'avec autonomie, avec l'aide parentale, ça fonctionne un petit peu mieux. Alors, ces petits kits donc, comprennent tout pour faire, par exemple, qui pique et fripon les pompons. Pour les plus grands, des bijoux gourmands en pâte fimo. Donc, on fait des pompons, on fait des bijoux. Voilà. Et en gros, c'est quel âge ? Pompons à partir de 4 ans, une fois que tout est prêt. Ouais. C'est impeccable. Le plus jeune, donc, c'est portrait de famille à partir de 4 ans. Vous vous doutez bien que j'ai un petit bémol à émettre sur le 4 ans parce qu'on a un petit peu galéré à faire ce renardo. Oh, on perd la repasser. Curieux. Voilà, en fait, l'intérêt de ces kits qui sont quand même très bien fichus, ils ne coûtent pas hyper cher, c'est moins de 15 euros. Et surtout, ça contient tout pour faire la chose. On n'est pas obligé d'emmener ces 800 perles à repasser chez papy et mamie. Dans le train, bon, ça, c'est peut-être moins. Il faut accompagner ses enfants. Mais il faut accompagner ses enfants. Mais ce qui est super chouette, c'est de partager. Du coup, on doit les accompagner, mais on partage un moment avec eux. Exactement. Ça, faut le verre à moitié. Ça, c'est sympathique. Et alors, pour les plus petits ? Pour les plus petits, moi, ce que je recommande, c'est le basique, la gommette. Ah, la gommette, c'est ça classique. Toujours. Alors, j'avais préparé un petit coloriage, mais comme c'est le bordel organisé... C'est vrai que c'est vraiment désorganisé. Ouais, c'est pas grave. Bref, la gommette avec un petit coloriage de base fonctionne très bien. On retrouve beaucoup de la marque Usborne aussi, plein de stickers qui permettent de décorer des décors. Et moi, j'ai dégoté cette petite chose fort sympathique chez Ravensburger. Ça s'appelle ma première mosaïque. Vous connaissez le principe. Il y a normalement des numéros et on vient en coller des choses. Là, c'est... Mm-hmm. différents. Il y a des petites choses comme ceci qu'on va venir disposer et enlever si on le souhaite une fois que c'est fini avec un petit outil à l'intérieur des choses pour faire, vous allez le voir, ouais, on va montrer une petite décoration formidable. Donc en fait on met la gommette, enfin le petit bazar de la couleur. C'est ça, vous avez très très bien expliqué. Les ailes sont bleues, il faut mettre des petits bazars bleus. Et d'ailleurs, si on veut mettre des petits bazars verts, il n'y a quand même rien qui nous en empêche. Voilà. Et ça, c'est très sympa. Voilà. J'ai beaucoup aimé à partir de 4 ans, c'est très sympa. Ah, c'est 4 ans aussi. Oui, parce que plutôt, les petites pièces, il ne faut pas les avaler. Non, exactement. On ne peut pas donner ça à... Non, mon fils a 3 ans et demi, je vois bien faire ça. À partir du moment où ça reste sous surveillance. Voilà, c'est assez sympa. Il y a aussi les cartes à gratter, qui sont hyper sympas. Un petit peu plus cracra, mais par contre, là, pour le coup, pour les tout petits, il n'y a aucun risque. Le principe de la carte à gratter est très simple, on a un décor qui a été recouvert d'un truc noir, je ne sais pas ce que c'est, et on vient gratter, je ne sais pas, c'est du goudron, plein de perturbateurs, et on vient gratter pour libérer la couleur dessous. Ça a des heures de tranquillité en voiture. Est-ce qu'on peut gagner 100 000 euros parce que je vais regarder. Bon, par contre, vous allez voir que ma fille ne sait absolument pas colorier, mais c'est sympa, ça occupe, et le fait que ça soit sous forme de bouquin, par exemple, est quand même assez sympa. Il y a pas mal de trucs, on avait pris princesse. Mais est-ce que je peux vous dire que je n'y arrive pas? Non, vous ne dites rien, car je vais parler des choses que vous allez réussir à faire, Agathe. Ce sont les pompons. Oui, le pompon. Bah oui, parce que le pompon, il y a plein de kits pour fabriquer des pompons dans le commerce, mais c'est quand même hyper simple de fabriquer des pompons. C'est simple, vraiment. Pitié, n'achetez pas des kits. Ah, non, vous prenez du carton, vous découpez deux cercles, voyez ? Hop, hop, hop. Là, deux cercles, et vous évidez le milieu. OK ? C'est vous que je vais évider. Évider. Ouais. Là, ensuite, vous rejoignez vos deux cercles. Hein, toc, toc, c'est facile. Ouais. Vous prenez une pelote. Enfin, en tout cas, vous faites une petite pelote en lainage. Et vous venez passer votre petite laine, là. À chaque fois, vous faites le tour de votre truc. Tenez, Benjamin, comme vous faites quand même pas grand-chose de vos journées, je vous propose de continuer ce pompon géant. Ça va vous occuper. C'est vrai qu'il faut... Moi, j'ai opté pour un petit pompon, car moi, je suis un peu feignante. Donc, vous voyez, j'ai entouré mes deux bouts de carton d'un petit truc, de la laine. Ensuite, en tout cas, vous avez le vocabulaire précis. Bah oui, ça fait plaisir. Oui, c'est ça. Le petit truc, la petite laine, le petit machin chose. Bon, on est vendredi, ne vous emballez pas. Une fois qu'on a tout entouré de laine, on enlève son petit lainage et on découpe. Alors là, c'est un petit peu la partie où vous vous rendez compte que vos ciseaux de couture, peut-être que découper des bouts de steak avec, c'était pas une bonne idée puisqu'ils ne coupent pas bien. Voilà. Vous vivez ma vie, vous. Bah oui. Vous faites poulet avec ça. Tout à fait. Et une fois qu'on a découpé tout le tour, vous voyez, de manière tout à fait simple et sans forcer. Peut-être que si on est en fin de saison, on n'a plus de budget pour acheter des ciseaux. C'est ça. Cher Papa Noël. Voilà. Et ensuite, on vient entourer avec un morceau de ficelle. C'est le moment crucial, car il ne faut pas lâcher son bout.
Voilà. Oh, elle fait peur quand elle est comme ça, elle redevient institutrice. Voilà, on fait le tour, on fait un nœud, bien entendu, ici, pour ne pas gâcher El Ponpon. Oui. Et une fois que le nœud est fait, regardez, ch'touk. Bon, moi, j'avais pris un truc en plastique. Ch'touk, il se passe rien. Mais si, ch'touk, attendez, voilà. Bah, regardez Benjamin, parce que voilà. On enlève le truc jaune, comme voilà, on enlève le ch'touk ou le carton, voilà. Et là, on se dit, ouais, on a bien rigolé, quoi. On a bien rigolé. C'est-à-dire que, par exemple, on a un anniversaire, on fait ça, on est tranquille. Bon, moi, j'ai complètement raté mon pon-pon, mais vous avez compris le principe. Oui, c'est vrai qu'un anniversaire, on les met tous dessus. Chacun choisit sa laine et hop. Allez, je vais essayer le pompon ce week-end. Enfin bon, j'essaye. Pompon-té. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, Agathe.